Ouais. Bon matin. Eh oui, bon vendredi matin. Il pleut depuis ce matin, il pleut. Il a plu très 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 fort, même quand on dormait encore. Il a plu à partir de quelle heure? Camille a mal dormi. 2h du matin jusqu'à... Bah, il pleut toujours, mais il a plu très très fort, moi, quand j'ai ouvert les yeux à un moment donné. On pensait que ça allait aller en s'améliorant, puis là aujourd'hui, beaucoup beaucoup de pluie. Il nous reste le Western Brook Pond que je voulais absolument faire. Et du coup, je sais pas comment ça va se présenter. Demain, il fait beau apparemment. Ce soir, il fait une voie un peu plus beau. Donc voilà, on va voir. On est pas très loin là en voiture. Donc on va voir ça. Mais... Hein? Je peux pas filmer là-bas? Quoi? C'est un entre-eux, c'est plus sympa. Laisse-moi... Bon, on est arrivé sur le parking. Il y a quand même beaucoup beaucoup de voitures pour un brouillard comme ça. Donc moi j'y crois pas trop. Moi je crois qu'on va voir le fond du ruisseau, mais on verra rien des parois rocheuses. Il y en a devant nous un paysage juste incroyable. Franchement ça valait le coup de venir. Hein. Arizona. Ça valait vraiment le coup de venir. Ouais, bah on est à 500 mètres d'une énorme montagne et on voit toujours rien. Ah c'est vrai, hein. Faut dire que là c'est censé monter jusqu'au nuage. Pierre de base on le voit depuis la route. On le voit depuis la route qui est à 3 bornes. Et que là on est juste à 500 petits mètres, même pas, et qu'il y a toujours rien. Mais bon, c'est pas grave. Bon, on est arrivé au bout du bout. On arrive au niveau du quai. Maintenant, il faut prendre le bateau pour s'approcher. Et puis, ben, il n'y a pas de montagne. Il n'y a vraiment pas de montagne. Alors qu'elle est censée faire en une fois 600 mètres de haut, mais non, pas de montagne. Donc, remboursé. Bon, voilà. Vous avez vu, notre tentative de ce matin est un échec. C'était prévu qu'on s'arrête sur le chemin, mais bon, on va en profiter qu'il fasse moche pour faire une lessive à Cowes Head. Notre passe expire à midi. Ils vendent quand même des tickets pour le bateau à partir de 13h. Nous, on voulait pas prendre le bateau, hein. Mais s'ils vendent des tickets pour le bateau à partir de 13h, c'est qu'ils espèrent quand même que les nuages vont se lever. Donc on va faire la lessive, on va voir si on arrive à apercevoir de nouveau les montagnes. Éventuellement qu'on va attendre fin d'après-midi pour essayer d'y aller. Western Brook Pond, tentative numéro 2. La pluie s'est calmée, on a fait notre lessive. Camille a fait du montage, j'ai surveillé la lessive. Puis ben toujours des nuages, mais ça s'est quand même bien dégagé, donc on va déjà voir ce que ça donne. On a décidé d'essayer d'approcher l'étang par enfin le Western Brook Point par le Snug Harbour. C'est un autre chemin qui est un peu plus long, mais là ça a l'air beaucoup moins passant. Donc on va approcher par là. Je pense que pour les piétons, ça, la vue doit être pas mal aussi. Thank you.
Bon, on a pris la petite boucle du coup qui se nomme Snug Harbour. Et puis on arrive le long d'un petit ruisseau là. Et on voit donc le fond du Western Brook Pond. On ira voir encore le point de vue qu'on a depuis l'embarcadère. Mais voilà. Ça reste quand même impressionnant en vrai, mais avec les nuages, je pense qu'à la caméra, ça sera pas si impressionnant que ça. Parce que les falaises rocheuses sont assez verticales pour le coup. C'est vraiment ce qui rend ça assez incroyable. Si on n'y retourne pas sur le chemin de l'allée, ben, on vous mettra une photo. Comme ça commence à être récurrent un peu pour cette partie du voyage. Bon, ben on est quand même très content de pouvoir enfin voir un peu plus de ce paysage. Avec les nuages là, c'est aussi très 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 joli comme ça. Petit filet de nuages qui repasse dedans. Ça y est, on a rejoint le sentier principal. En quittant le bord de la rivière, ça s'était nouveau refermé au niveau des nuages. Et là, eh ben, on arrive à voir par exemple le sommet de la première montagne là. Et on voit un côté et on voit le fond. Du coup, ben, on fait le chemin du retour, mais il faut qu'on pense à se retourner parce que c'est ce qu'on aurait dû voir ce matin dès le chemin, on voyait rien. Là, ça y est, tout s'est dégagé, il n'y a plus de nuages. On sera quand même passé du tout au tout en un jour, on aura quand même eu la chance que ça se dégage maintenant. Mais il y a un peu plus de 18h là, donc faut quand même qu'on reprenne un peu la route pour aujourd'hui. De retour au parking, c'est quoi le plan ? Je reprends des forces et puis on va rouler le plus possible pour se rapprocher de l'an sommet d'eau. Le plus possible, bah jusqu'à ce qu'il fasse nuit, enfin faut quand même se poser un peu avant la nuit, n'est-ce pas ? Pour trouver de l'essence. Pour trouver de l'essence ? Ouais, un peu d'essence. Voilà. Et puis voilà. Les blocs se suivent et se ressemblent. Putain, après une grosse journée, les jambes en miettes, je suis obligé de courir. Ah, ça va. On a enfin décidé de s'arrêter. Et un point de côté. Oh là là, ce beau van. Heureusement qu'on était censé faire plusieurs plans. Je te jure. Alors, on tente de se manœuvrer ce soir pour se mettre sur la meilleure place possible. Braque, braque, braque! Pas à fond, pas à fond! Doucement, doucement, doucement! Là! Tu rentres là! Droit, là! Voilà! Freine, 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 freine! Voilà! Recule et braque un peu! Ouais, voilà! Léger, vas-y! Voilà, stop. Stop, maintenant ravance par là. Oh. Bon, on en a arraché à se garer, mais on est trop bien placé, on est vraiment dans un endroit de rêve. T'as l'impression que chaque soir, tu trouveras jamais mieux en spot dodo le lendemain, et puis en fait... Chaque lendemain, t'es mieux. Je trouve des spots encore plus dingues. Kiki ! Puis ben là, du coup, on fait une petite soirée tranquille. On va se poser, on va se reposer. On a une grosse journée. Je vais prendre un petit time-lapse du soleil, c'est toujours sympa. Et puis je crois qu'on va se retrouver demain. Direction l'Ensommet d'eau, là où les Vikings sont arrivés pour la première fois. Ah, qui tu te rends compte ? Zouuuu.
Regardez-le là-bas. Avec la maquille. Je suis encore loin. Regardez. Attendez. Elle est où? Elle est là. Regardez ce que je viens de trouver. Waouh. Je pense que ça va partir en chasse aux fossiles tout de suite là. On va laisser tomber le coucher de soleil. Chasse aux fossiles. On a trouvé un autre. Ça fait bizarre, je trouve, de voir ce genre d'empreinte. C'est vraiment comme... Il était posé la contre et puis il a laissé moi, la... Moi, c'est le type de roche qui fait que... Genre, ça ressemble à ça. Hein? Mais si... Je sais pas, pour... ça fait pas ammonite non plus. Moi, je trouve que ça fait escargot quand même. Ouais. Plus récent, tu vois. Toujours défouler la toutoune avant de prendre la route. On va pas tarder. Direction les Vikings. Il y a déjà un beau Viking là. On vient d'arriver à Lens-au-Médo. On va là tout de suite voir le centre d'accueil et de service du parc parce que du coup c'est un parc national aussi. On va voir si on peut prendre de l'eau potable de nouveau. Puis on va prendre les informations pour la journée. La route elle était super, super belle. Le paysage a changé au fur et à mesure. Et on est vraiment rentré dans quelque chose de beaucoup plus... nordique comme type de paysage et puis là on est au bout quoi, il y a l'eau, les îles, la brume aussi nous a rejoint, mais l'ambiance là elle est vraiment top je trouve pour le lieu. Quand on pense à l'histoire, aux Vikings et tout ça fait trop, ça tout va trop bien ensemble je trouve. Lens-au-Médo, c'est un petit village actuellement, mais c'est aussi le nom qu'a pris le seul site archéologique viking où la présence de vikings a été prouvée archéologiquement, historiquement.
On sait qu'ils ont dû aller un peu partout ailleurs, dans ce qu'ils appelaient eux le Vinland. Donc ils ont dû aussi aller au Labrador et peut-être même un peu plus au sud du Québec. On en parle d'ailleurs dans notre première vidéo sur l'histoire du Canada. On a fait des vidéos récapitulatives de l'histoire du Canada. Si vous êtes plus intéressés, ben, n'hésitez pas à regarder notre première vidéo. Et en tout cas, on est hyper contents d'être là parce que ça fait un gros clin d'œil et c'était hyper important pour nous. On a commencé notre série historique avec les Vikings. Et donc, d'être là aujourd'hui, et ben, c'est assez excitant. Et en plus de ça, j'ai lu déjà dans le prospectus, dans le guide papier, qu'il y avait aussi ici des traces des autochtones, des premiers peuples qui ont vécu ici avant l'arrivée des Vikings. Pendant l'arrivée des Vikings et encore après le départ des Vikings. Mais voilà, ça laisse place à plein de suppositions aussi. Est-ce que certains se sont quand même intégrés ici? Est-ce que certains se sont mélangés quand même au premier peuple? Et tout ça, donc c'est assez passionnant. L'entrée du site est là. On passe une porte, on est obligé de payer du coup. Et ensuite, on peut aller se balader dans l'endroit où les fouilles archéologiques ont été effectuées. Et on retourne dans le passé avant pour trouver un minerai qu'on appelle un minerai de tourbière. Ok? Alors ici, vous pouvez voir des petites flammes en fer. Ils en ont placé quelques-unes dans l'herbe ici. En fait, ils ont voulu matérialiser les endroits où ils ont trouvé d'anciens foyers d'autochtones, de personnes de premier peuple. Ici, ils ont compté 4 groupes différents d'autochtones qui ont vécu avant la présence des Scandinaves, des Vikings et qui sont revenus aussi après. Grâce aux poubelles, parce que en fait, ici, il faut savoir qu'ils n'ont rien trouvé de précieux. Les Vikings, ils ont tout pris avec eux au Groenland quand ils sont partis. Ils ont que trouvé, on va dire, les restes, ce qu'ils voulaient pas amener avec, donc aussi leurs poubelles. Et en fait, grâce à leurs poubelles, les archéologues ont pu déterminer que les Vikings ont été là à 3 reprises sur des périodes de 3 ans. Donc ils ont été là 3 premières années, ils sont repartis, ils sont revenus sur 3 ans, ils sont repartis, ils sont revenus sur 3 ans, puis ils sont repartis définitivement de nouveau au Groenland. Tourner le feu et produit du charbon à bois. Mais pourquoi est-ce qu'il y avait produit du charbon à bois ici? Suivez-moi! Chauffer du métal. À la fin de la visite, il y a un petit enclos où sont reconstituées des maisons dont les archéologues ont mis en évidence les traces un peu plus tôt dans la visite. Donc il y a une grande maison principale et 2 petites. Et on voit qu'en fait ici ils construisaient les maisons en empilant des cubes de tourbe. Et en fait ce qu'on nous a expliqué dans la visite, c'est un peu l'activité et le rôle qu'a eu ce campement à Terre-Neuve. Et en fait c'était un lieu temporaire d'habitation, c'était une étape dans leurs expéditions pour réparer leurs bateaux. Et ici il y a une réplique de plutôt d'une forgerie. Ça hein? Une forgerie? C'est forgerie qu'on dit, je sais plus. D'une forge, tout simplement. D'une forge. Réplique d'une forge, parce que ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils découpaient la tourbe. Et en fait, la tourbe c'est très noir, c'est riche en oxyde de fer. Donc ils prenaient les morceaux de tourbe qu'ils mettaient dans un four avec du chaudron, avec du charbon de bois. Et ils arrivaient à sortir des scories de fer, donc du fer, pas du fer forcément très pur, mais du fer en tout cas qui leur permettait de faire des clous et de réparer leur bateau pendant leur voyage. Parce que eux ils venaient de Groenland, enfin ils sont partis de Norvège, Islande, Groenland, ils se sont pas mal installés. Et de Groenland, ici c'était une étape pour aller plus au sud, dans le sud du Québec ou de Nouveau-Brunswick, pour aller prendre des bois durs. Parce que le conifère, c'est plutôt des bois mous, et les feuillus, c'est un bois plus dur. Donc il va pouvoir servir à faire d'autres choses, et qui les intéressait énormément. Sur le site, on retrouve pas mal de noix, de noyers cendrés, et aussi des morceaux de bois de noyers cendrés, mais pas que. On retrouve du tilleul, on retrouve de la pruche, on retrouve du touya, qu'on ne trouve pas à Terre-Neuve.
on ne trouve pas au Groenland. S'il va y avoir le frêne noir qu'on trouve dans le sud de Terre-Neuve, mais pas ici, dans le nord, donc qui indique qu'il voyageait de toute façon ailleurs que ici, à l'Anse-aux-Meadows. Your famous face in this kitchen. You're getting very sleepy. Yeah. Your eyes are getting very heavy. Ouais, ça c'est ce qu'on pourrait se demander. Je sais pas comment ils savent qu'ils dormaient dans des caisses comme ça. Des toilettes. Il faut dire qu'on n'a pas mieux dans le van. Ouais, bah non. Lors de la visite guidée, l'interprète nous a dit qu'ici, il pense qu'il y avait la maison de Leif Erikson parce que c'est la plus grande. Il y avait un bureau, il avait aussi ici son garage à bateaux et il pense que c'était le garage à bateaux, ou en tout cas là où les bateaux étaient réparés parce qu'ils ont trouvé énormément de clous cassés. Donc sûrement qu'ils enlevaient les mauvais clous et ils remettaient des bons clous, donc ils faisaient les réparations ici. Mais en fait, tout le site, on a commencé par un four à charbon, ensuite la fonderie pour faire les clous. Ensuite, on a eu d'autres maisons avec des huttes d'artisans. Donc, il y a eu ceux qui travaillent le bois, ceux qui forgent les clous. Et il y a eu aussi un atelier de tisserie, donc pour tisser les toiles des bateaux. Et là, l'interprète nous a indiqué que les Vikings, le mythe de la femme, que la femme porte malheur en bateau, c'est venu beaucoup plus tard par les Anglais dans la religion chrétienne, alors que dans la religion païenne, ou pour les Vikings en tout cas, les femmes faisaient partie de l'économie autant que les hommes. Elles avaient leur place sur le bateau et elles devaient venir avec parce que elles, leur rôle, c'était d'être des tisserands, des maîtres tisserands. Alors que les hommes, c'était plus le bois et la forge. Donc voilà, on a toutes les étapes en fait qui permettaient d'assembler un bateau ou en tout cas d'en réparer. Donc on a fini notre visite du site historique et on va faire un sentier qui fait un petit tour ici et qui revient sur le site historique plus tard dans la balade et qui va nous donner une vue un peu de l'Anse-aux-Meadows. Maki, il y en a surtout une qui a très envie de se dépenser. Ici on trouve des petits fruits comme ça. Alors on nous en a déjà parlé sur les îles de Mingan, l'île nue. L'interprète nous avait parlé de ces fruits là. Il y a un monsieur qui est passé avec un seau plein. Alors ça me donne envie de goûter. Miu, test. Crash test. Non, moi je testerai. Tu filmes ? Je testerai du tout. C'est dur par rapport à la framboise. Peut-être des niveaux de maturité. Non, je pense que c'est de la même couleur que le monsieur. Non, c'est pas mauvais. C'est juste hyper acide. Hein. C'est hyper acide, mais c'est pas mauvais. Ah, mais le monsieur l'a dit very good. Hein. Ouais. Bah, c'est pas si sucré que ça. Mais après, il y a pas mal de trucs qui sont pas forcément sucrés. Et puis, tu rajoutes du sucre pour faire de la confiture. Quoi. Ça y est, on a retrouvé le nom de la plante que j'ai goûtée tout à l'heure. C'est Baked Apple,
plaque bière. Petit. Ah, chicouté, c'est ça, c'est les chicoutés. L'interprète de Parc Canada nous a dit qu'il y avait une épave de bateau. Un peu de travers par contre. Ça c'est pas grave, je le rattrape au montage. Quoique. Hé, hey, c'est Maki. On a donc fini de découvrir l'ouest. Enfin, fini, c'est un grand mot. Mais en tout cas, on a maintenant une bonne idée de l'ouest de Terre-Neuve. On a repéré quelques petits lieux intéressants qu'on va découvrir, où on va s'arrêter en descendant de nouveau à Deer Lake. Nous, on vous laisse, donc on va se dépêcher de redescendre à Deer Lake parce qu'on a encore tellement de choses à voir à Terre-Neuve. On vous laisse donc avec quelques images de notre voyage de retour jusqu'à Deer Lake. Mmh. Et puis, on vous donne rendez-vous là-bas pour la suite des aventures à Terre-Neuve. Bye!